السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا اليوم سأشارككم موضوعا مهما في مادة الرياضيات، يتعلق بدراسة دالة وكذلك بدراسة متتالية مرتبطة بهذه الدالة. إذا فهو موضوع بطبيعة الحال يستحق الاهتمام ويستحق كذلك المشاهدة والتركيز. إذا على بركة الله، إذا قلنا سأتحدث غالبا باللغة الفرنسية. هذا لا يمنع أن حتى الطلبة الذين يتدرسون أو يدرسون ببكالوريا عادي يمكن كذلك أن يستفيدوا من هذه النوعية من التمارين. إذا voilà, vous avez une fonction numérique définie sur un intervalle 0,4 f du x égale à 4 racine du x sur 2 plus racine du x au carré. Donc la première des questions qui se pose, étudier les variations de la fonction f. Alors, normalement, pour chercher le domaine de définition de cette fonction, on doit dire que cette fonction n'est définie que si x est supérieur ou égal à 0 et le dénominateur 2 plus racine du x est supérieur strictement à 0. Étant donné bien sûr que 2 plus racine du x est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, ça veut dire que la définition, ou bien le domaine de définition de cette fonction est 0 plus l'infini. Mais nous, on va s'intéresser uniquement à l'étude de cette fonction dans l'intervalle 0, 4. Pourquoi? Vous allez le savoir pourquoi. Alors là, donc, étudier les variations, vous savez que la fonction f est une fonction continue. Est une fonction continue sur son domaine de définition, qui égale à 0 plus l'infini. Et en particulier sur l'intervalle 0, 4. Donc, pourquoi il est une fonction continue? Tout simplement, il est composé de deux fonctions continues. La racine du x est une fonction continue sur 0 plus l'infini. On en est de même ça. Donc, tout simplement pour vous dire que cette fonction est continue. Et en plus de ça, elle est dérivable. Donc, f est dérivable sur cet intervalle 0, 4. Donc, on va chercher sa dérivée. Donc, f' du x égale à quoi? Est égal, je vais mettre tout simplement, étant donné que cette fonction est de la forme f ou n, donc il faut faire très attention à la dérivée. Donc vous allez commencer par mettre 2, 4 racine du x sur 2 plus racine du x, fois la dérivée de 4 racine du x sur 2 plus racine du x prime. Donc c'est 4 racine de x prime, 2 plus racine du x, moins 4 racine du x, fois 2 plus racine du x prime. Bien sûr, vous savez comment on fait la dérivée. Donc, je vous donne. Donc, égal à quoi? Égal à 4 fois 1 sur 2 racine du x, 2 plus racine du x, moins 4 racine du x, 1 sur 2 racine du x. Tout ça sur 2 plus racine de x au carré. Je continue. Donc, 1 sur 2 racine de x fois 8 plus 4 racine de x moins 4 racine de x sur 2 plus racine de x au carré. Donc, j'effectue le calcul, bien sûr. Donc, ça me donne finalement 4 sur racine de x 2 plus racine du x au carré. Ça, c'est pour la dérivée de quelle... ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est seulement la dérivée de 4 racine du x. Ça, attention, c'est la dérivée tout simplement de 4 racine du x sur 2 plus racine d'x prime. Mais la fonction dérivée f' du x, voilà sa dérivée. Donc, j'ai 2 sur 4 racine du x sur 2 plus racine de x fois la dérivée de ça. Donc, je note ici, pardon, je m'excuse, ça, ce que je viens de calculer ici, ce n'est autre que la dérivée de la fonction 4 racine du x
Donc, je vais le mettre ici. 4 racine de x sur 2 plus racine de x, la dérivée de ça. Donc, la dérivée de cette fonction-là, c'est tout ce machin-là. Donc, pour déterminer la dérivée f', donc f' sera 2 fois racine de 4 racine de x plus 2 racine de x plus fois la dérivée que j'ai obtenue, c'est-à-dire fois 4 sur racine du x 2 plus racine du x au carré. Je demande pardon. Donc, finalement, je trouve, moi, f' du x n'est autre que 32 sur 2 plus racine du x, le tout au 3. Donc, vous remarquez que c'est une fonction strictement positive. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 4. Donc, je demande pardon parce que je me suis trompé ici, mais seulement pour vous dire que c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure ici n'est autre que la dérivée de 4 racines d'x plus 2 racines. Et il faut continuer, bien sûr, voilà la dérivée de f', c'est tout ce calcul-là, deux fois le premier terme et le deuxième terme. Donc, maintenant, on va passer à la question suivante. On dirait que f de 0,4 est inclus dans 0,4. Alors là, il faut chercher f de 0 qui n'est autre que 0 et f de 4, vous allez obtenir égal à 4. Donc, puisque la fonction est croissante, c'est-à-dire que f de 0,4 n'est autre que f de 0, f de 4. Donc, c'est bien 0,4 et 0,4 est inclus, bien sûr, dans 0,4. On considère maintenant, voilà les questions plus importantes maintenant, on considère la suite numérique un définie par U0 et 1 plus 1 pour tout n calculé U1. Alors, pour calculer U1, il suffit de remplacer. Donc, j'ai U1, c'est quoi? C'est f de U0. Donc, c'est f de 1. C'est-à-dire, c'est 4 plus 2 plus 1, le tout au carré, ça vous donne 16 sur 9. Montrer que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 4. Donc on doit vérifier pour n égal à 0, on a bien U0 égal à 1, et 1 bien sûr est compris entre 0 et 4. Donc ceci est vrai. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 4. Bien sûr, on va, sachant que on a bien un y compris entre 0 et 4, on va considérer que celle-ci est vraie. Alors, d'après ce qui précède, on a montré que la fonction pour x compris entre 0 et 4, on a montré que la fonction est strictement croissante. Alors là, en posant x égal à un, donc un compris entre 0 et 4, ça veut dire que f de un est compris entre f de 0 et f de 4. Autrement dit, un plus 1 est compris entre f de 0, c'est 0, et f de 4. Donc on a bien alors que un plus 1 est compris entre 0 et 4. On va passer à la question C. Donc, la question C, montrer que la suite est croissante. Donc, pour montrer que la suite est croissante, on doit commencer, on doit faire un plus 1 moins un. Alors, s'il est positif, alors on dit qu'il est croissante. S'il est négatif, on dit qu'il est décroissante. Un plus 1 moins un, c'est quoi? C'est f de un moins un. Donc, toujours qu'on a dit, on va poser x égale à un, et on va étudier, si vous voulez, f de x moins x, qui est égal à 4 racine de x sur 2 plus racine de x au carré moins x. Pourquoi? C'est pour étudier la position de f de x par rapport à x. Parce qu'une fois qu'on va faire ceci, ça va nous permettre d'étudier la monotonie de la suite. Donc, on va mettre ça, c'est 4 racines du x au carré. Je vais faire le même dénominateur, moins x2 plus racine
de x au carré tout sur 2 plus racine de x au carré, c'est-à-dire égal à 16x moins x 4 plus x plus 4 racine de x sur 2 plus racine de x au carré. Donc, c'est toujours 16x moins 4x, je vais faire effectuer le calcul. Donc, c'est 12x moins x au carré moins 4x racine de x, le tout, 2 plus racine de x au carré. Donc, une fois j'arrive à là, je peux même factoriser par x, donc je peux mettre x en facteur de 12 moins x moins 4 racine de x, le tout sur 2 plus racine de x au carré. Alors là, toujours, je reviens à ce que j'ai écrit tout à l'heure, que x complet entre 0 et 4. Alors là, par un simple encadrement, racine de x complet entre 0 et 2, ça veut dire que moins racine de x est compris entre moins 2 et 0. Et par suite, moins 4 racine de x est compris entre 0, moins 8 et 0. Alors là, pourquoi j'ai fait tout cela? Donc, moins 4 racine, il me reste x. Donc, moins x est compris entre moins 4 et 0. Alors, si je fais la somme, ça me donne moins x moins 4 racine de x est compris entre moins 12 et 0. Si je mets, j'ajoute 12 pour chaque terme, ça veut dire que ça va me donner entre 12 et 0. Donc là, ça prouve que le numérateur est positif. Donc ça prouve que le numérateur est positif, moins 4x, moins 4 racine de x. Donc, qu'est-ce que reste? Donc, puisque le numérateur est positif, x est positif et le dénominateur est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x moins x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que f de x est supérieur à x. Autrement dit, un x y est un, donc f de un est supérieur à un. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à un. Alors là, on a bien montré que un est une suite comment croissante. C'est bien ça. Donc maintenant, on vous dit de montrer que la suite est convergente. Donc on a bien montré que la suite un est croissante. Et comme elle est minorée, bien majoré, si vous voulez majorer, c'est plutôt majoré par 4. Alors, donc, un est une suite convergente. Troisième question. Pour tout n appartenant à n, on pose Vn égale à 1 moins, sur, moins 2 sur racine de un. Alors, la première question, on vous démontre que la suite est géométrique. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut commencer par Vn plus 1 et vous allez montrer qu'il est égal à Q fois Vn. Alors, Vn plus 1, c'est quoi? C'est 1 moins 2 sur racine de Un plus 1. Alors, racine de Un plus 1, c'est quoi? C'est racine de F de Un. Alors là, ça veut dire que Vn plus 1 égale à 1 moins 2 sur racine de f de un, qui égale à quoi? Est égal à 4 racine de un sur 2 plus racine de un. Donc c'est 1 moins 2, donc je vais faire en ordinateur, donc ça va me donner 2 plus racine de un sur 4 racine de un. C'est-à-dire 1 moins 2 plus racine de un sur 2 racine de un. Donc, si j'effectue au ordinateur, ça me donne 2 racine de un moins 2
moins racine de un sur 2 racine de un. C'est-à-dire toujours, donc ça me donne 2 racine de un moins racine de un moins 2 sur 2 racine de un. Donc c'est 1 demi racine de un divisé par 1 demi moins 2 sur, donc c'est 1 sur racine de un. Si je mets 1 demi en facteur, ça donne 1 moins 2 sur racine de un. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que Vn plus 1 n'est autre que 1 demi. Ça, c'est Vn. Donc, c'est 1. Vn plus 1. Donc, on peut dire alors que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. Il faut chercher bien sûr son premier terme qui n'est autre que V0. Donc on va passer à l'autre question. Exprimer Vn et Un en fonction de n. Alors là, il faut chercher le premier terme V0 qui n'est autre que moins 2 sur racine de U0. Donc c'est 1 moins 2 sur 1. Donc c'est moins 1. Alors là, je dis que Vn égale à V0 Q os n, c'est-à-dire c'est moins 1, Q c'est 1 demi os n. Voilà l'expression de Vn en fonction de n. Il me reste l'exprimer Un. Donc on sait que Vn égale à 1 moins 2 sur racine de Un. Alors là, 2 sur racine de Un égale à 1 moins Vn. Et par suite, racine de un est égale à 2 sur 1 moins vn, c'est-à-dire c'est 2 sur 1 plus 1 demi os n. Et finalement, un n'est autre que 2 sur 1 plus 1 demi os n, le tout au carré. Alors là, retrouvez à nouveau la limite de un. Sachant que la limite de 1 sur 2 os n lorsque 1 tend vers plus l'infini égale à 0. Pourquoi? Car 1 demi est inférieur à 1. Alors là, la limite de un lorsque 1 tend vers plus l'infini, ça sera 2, 1, le tout au carré. Donc c'est 4. Donc on va écrire donc limite de un lorsque 1 tend vers plus l'infini égale à 4. Voilà ce problème-là. Vous voyez que c'est un problème assez riche. Il comporte des questions assez délicates, très intéressantes. Donc, il faut savoir comment étudier la monotonie d'une suite liée à une fonction. Ce genre de questions se pose vraiment le jour de l'examen national. Eden, je vous souhaite un bon avenir, une bonne réussite. Donc, essayez de répéter cet exercice une ou deux fois pour maîtriser les différentes notions. Et bien sûr, tout cela va vous faciliter la tâche d'aborder vos exercices ou votre examen. Donc, je vous laisse. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.